C'est une image qui redonne espoir aux Sud-Soudanais. Salva Kiir avec son chapeau de cow-boy sur la tête et Riek Machar, les deux rivaux côte à côte et réunis pour la signature d'une disposition militaire cruciale pour la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 ans de guerre civile. Les deux hommes ont accepté de former un commandement unifié des forces armées sud-soudanaises. Le plus important n'est pas seulement la signature, mais la mise en œuvre de ces articles. Nous devons mettre en œuvre ce que nous disons. Le peuple du Soudan du Sud s'attend à ce que nous le fassions. Le silence des armes est le plus important pour la paix. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre alors que nous parlons de paix à Djouba. Et si nous parlons de paix, les armes doivent baisser à partir d'aujourd'hui. Le texte prévoit une répartition des postes de direction dans l'armée, la police et les forces de sécurité nationale. 60% pour le camp du président Salva Kiir et 40% pour celui de Riek Machar. Les nominations doivent avoir lieu dans quelques jours et les forces unifiées sont censées être opérationnelles d'ici 2 mois. L'accord prévoit également la cessation des hostilités, l'arrêt de la propagande qui attise les tensions et les deux camps s'engagent à cesser d'encourager les défections chez l'autre. Pour la sécurité nationale de la République du Soudan, qui est une extension de la prise en compte de la sécurité nationale soudanaise, cette proposition était intégrée et compatible et Dieu merci, elle a été convenue entre toutes les parties concernant l'ordre de répartition des commandes de leadership. Cette proposition a augmenté le temps pour que la matrice se mette en œuvre, ce qui a été convenu dans cette proposition. La guerre civile a fait près de 400 000 morts entre 2013 et 2018. L'accord de paix prévoit un partage du pouvoir avec Salva Kiir au poste de président et Riek Machar comme vice-président. Mais il est resté largement inappliqué.